C'est judoka, on va passer debout. Hein? On va revoir les prises qu'on a vues ensemble déjà, pour la plupart. Donc cette, malheureusement, on n'a pas de partenaire. Hein? Donc regarde bien les jambes écartées, on sait bien qu'on a revers ici, manche là. Voilà, il faut toujours être dynamique. Ici, on va faire Taiyotoshi d'abord. Taiyotoshi, je rentre ici la première jambe, je rejoins et je fais un barrage. Et là, mon partenaire, il passe au-dessus de ma jambe. Là, je me replace ici. J'attaque ici, hop, hop, je lève, hop, je tourne, hop, je l'envoie. Ce qui est important, c'est là, la première, elle vient attaquer là, elle attaque la jambe de mon partenaire. Ici, je lève en même temps, je me rapproche, et là, je me fais tout petit, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. D'accord? Je monte dans l'autre sens. Ici, je suis là, hop, dynamique. J'attaque la jambe. Je viens ici, hop, je suis en place. Vous voyez, je suis sur une ligne. Là, et bam, on l'envoie, le gars. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est ici, vous entraînez, quand vous avez bien le mouvement, vous l'avez fait doucement, vous entraînez à le faire plus vite. Ici, là, hop, hop, vous avez là, hop, 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 ok? Vous en faites 10. Une fois que vous avez fait dans un sens, vous allez dans l'autre. Ça, on se met les mains devant ici. On va faire Ippon Soyanage. Souvenez-vous, je vous demande d'attraper le revers ici, pas la manche, le revers. Deux revers ici. Cette fois, mon pied n'avance pas droit, mais il avance croisé. Là, croisé, je viens ici et je descends et je roule. Je vais vous faire dans l'autre sens parce qu'il y a quelque chose d'important. Ah, il bouge là. Je suis là, deux revers, un, croisé, deux, je viens sur la même place, regardez mes pieds, ils sont bien alignés, et là je descends droit, et je regarde la caméra, je regarde pas en bas, et c'est après quand je veux le flasher, hop, je pique vers l'avant. D'accord? Donc c'est pareil, une fois que vous l'avez, je croise, hop, je viens, hop, et ben je fais tout de suite, hop, le plus possible, hop, hop. J'en fais 10 de chaque côté, à gauche. Cette fois, c'est jambe gauche, je tire, jambe gauche qui passe là, jambe gauche qui passe là, l'autre qui revient, hop, 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 voilà. On a fait Ippon. Moroté. Moroté, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, c'est revers, manche. Et le partenaire, je lève et je descends. Je lève, je descends bien l'épaule. Hop. Et je fais pareil avec ma jambe, je croise, hop. L'autre elle vient rejoindre. J'ai bien descendu ici pour pouvoir tourner. Le fait de descendre l'épaule, ça évite que la main elle se torde. Hein? Celui-là, hop. Vous voyez, mon genou il commence la rotation là. Tac. Voilà. Et donc c'est pareil, je monte de l'autre côté. Je suis là, je me place, je regarde la caméra. Viens. Je pique après. Si je pique trop vite, ça ne marche plus. Ça vous fait déjà 3 prises. Hein? 3 prises. Taiyotoshi, Morote Soinage et Ippon Soinage. Vous pouvez regarder sur internet un petit peu ce qui se fait avec un partenaire et vous pouvez travailler tout seul. Ça fait partie du judo de travailler tout seul. Bon courage, bon confinement à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.